Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver en compagnie de Clément, mon copain. Vas-y, dis bonjour. Salut! C'est quoi ce salut? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver en compagnie de Clément, mon copain. Salut! Pour vous faire le tag What is it? Donc certaines d'entre vous me l'avaient demandé, mais surtout je l'ai vu sur la chaîne de Tiffen Makeup et je l'ai trouvé très très drôle. Et c'est vrai que Clément n'était jamais vraiment apparu dans mes vidéos, alors il y a très très longtemps, genre un an. Et donc le but du tag est extrêmement simple, je vais lui faire goûter les choses à l'aveugle que j'ai préparées avec très grand soin. J'ai peur. Et donc me revoilà. Puis bah il s'est bandé les yeux. Ouais, bah j'espère que c'est bon là ce que tu m'as préparé parce que j'ai vraiment faim donc. Ouais. Alors bah, je vais commencer avec... Tu craches pas par contre hein. Je crache rien, j'avale tout. C'est très bon. Alors oui, j'ai commencé en douceur, il y a des choses un peu spéciales, tout est comestible, je précise quand même. Je ne suis pas une peau de vache à ce point-là. Alors, ouvre grand la bouche. Grand, grand, grand. C'est très bon. Oh c'est bon, c'est non c'est bon. T'en manges tout le temps. C'est quoi? Oh mais non. Mais il y en a partout. Non mais Clément après ça va être tout sale. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quoi on va pas. Et j'en ai peut-être mis beaucoup. Du sucre. Oui voilà, du sucre. Bon, c'est très bon du sucre. Là donc, je vais te faire avaler. Mais en fait là, faut que tu croques. C'est quelque chose de... C'est pas en... C'est solide, c'est un solide. Oui, bah, oui, oui, c'est du solide effectivement. Donc voilà. Ouais. Et vraiment, tu croques. Tu ouvres grand. Ah, et là tu croques. Et là tu croques. Oh non, et là, oh tu non. Croques. Ah, c'est tranquille. Il y a deux choses que je déteste dans la vue. La langue de bœuf et l'endive. Je suis pas c'est dégueulasse. De... C'est dégueulasse. Oh mais c'est bon là, tu devines bien. Parce que ça sent un peu le pissenlit. Ça me rappelle. Le... Oui, ça sent le pissenlit. C'était de l'endive, hein. Oui, c'est où? Ah, c'était de l'endive, ouais, ouais, mais ça va, elle était pas trop amère celle-là. Alors ensuite, troisième. Mais c'est bon, alors donc pour l'instant, ben, 2 sur 2. Ouais, 2 sur 2, super. Bon, là, je t'en mets pas beaucoup. Ouvre dans la bouche. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Du café. Oh mais t'es fort! Bon bah pour l'instant, pas mal. Attends, c'est bon, je suis prêt à... Ferme. C'est quoi ça? Attends. Parce qu'après le café, c'est un petit peu, c'est un peu dur de retrouver ses sens, mais je pense que c'est du Philadelphia. Ouais. Ouais, fromage Philadelphia. Ouais, pour, les Français, je sais pas s'ils connaissent. Ça existe en France, ça? Oui, oui, c'est arrivé, okay. C'est arrivé récemment. Bah, c'est du Saint-Mauré, c'est exactement la même chose. On en fait tout un pataquès, mais c'est ni plus ni moins que du Saint-Mauré. Ok, donc bon, bah, pour l'instant, tout bon. Je sais. Ah non, non, non. Là, quand tu prends ce petit ton, là, en général. Le Philadelphia après le café, je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment super bon. Ok, ouais, déjà, le bruit de la bouteille, je crois savoir ce que c'est. Oh non, non! Je suis pas sûr à 100%, mais je reconnais la galère qu'on a quand on essaie. Oh non! C'est pas drôle! Bah attends, bon, essaye, je vais goûter, je vais tout de suite reconnaître. Je vais t'en mettre plein pour la tête. C'est quelque chose que, si c'est ce que je pense, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avec de la viande, notamment en grillade. Ou avec un œuf à la coque. Attends, bon, j'ai compris. Mais ça se mange avec de la viande, ça? Voilà. Je sais pas si... C'est rigolo hein. C'est du piment. C'est rigolo hein. C'est rigolo hein. C'est rigolo hein. Ah, ça c'est du tabasco. Ah mais tu fais exprès. Ah tu m'en as mis une pleine cuillère. Tu viens pour faire passer. Si si le lait et tout ça, ça fait... Philadelphia, Philadelphia. Bah c'est bon bah oui mais... Ça tue à ce point. Oh là là. Tu fais... Mais ça arrache à ce point! J'en ai jamais mangé de ma vie! Je pense que tu m'as fait attraper le hook. Hop! Hop, c'est bon! Ouvre ta bouche! C'est pas hardcore? Non! Mais t'étais pas obligé de tout prendre! Bah quoi? Ah, mais attends, hé! C'est très bon ça là! On en met dans son. Bah, je vais pas dire dans quoi on en met. Ah, bah, oh, t'es sale comme un goré! T'en as partout! Bah oui, mais. Oh, mais t'en as partout! Ah, c'est du cacao pur. Bah oui, bah c'est bon. C'est de la poudre de cacao. Bah oui. Oh, c'est dégueulasse. C'est du cacao non sucré. Non, c'est dégueulasse. C'est vraiment... du Van Houten. Je sais pas comment. Ah bah oui, super. Ça se gargare. Je suis obligé, le cacao en poudre. Oui, mais t'en as partout sur la bouche là. Ouais, mais ça se colle au... Attends. Oh là là, j'avais pas vu l'autre traîner.
Ah oui, parce qu'avec le retour caméra. Bah, attends, on a une traînée. Tu veux me nettoyer ou... Bah oui, mais avec quoi? J'ai rien, moi. Une petite éponge ou... Bah oui, je me trimballe avec une éponge sur moi. Voilà. Bah tiens, regarde-moi. Oh mais ouais, t'as une traînée, attends. On dirait les enfants qui mangent comme des gorilles. Oh là là. Donc, ensuite... Attends, je peux essayer d'y aller à l'odorat? Ah oui, c'est vrai. C'est déjà, c'est une herbe. Ouais. Alors, c'est soit des herbes de Provence. Non. Du thym. Non. Du laurier. Hein. Non. Mais bah, je vais pas l'avaler, ça, si c'est une herbe. Bah, pourquoi? Ah non, bah, ça s'avale pas comme ça, attends. Ou alors, après, vraiment... Tabasco, tu sais. Bon. Au bout de la langue. Ok, bah, je vais juste en mettre quelques grains, alors. Ouais, ouais, bah, de toute façon, il y aura pas besoin de beaucoup de grains, là. Juste quelques grains. Ouais. Bah, ouvre ta bouche. Non, mais c'est bon. Attends, comme ça là. Non, mais c'est. Quelques grains. Mais oui, ouvre grand ta bouche. Oui, mais grand parce que j'ai peur qu'il tombe. Voilà. Ok. C'est quoi? Ça, c'est du cumin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Bon. Bah, pour l'instant, t'as tout deviné. Ouais, mais du coup. Le cumin, ouais, non, c'est super bon ça. J'adore ça. Pas comme ça. J'avais pas vu, t'as plein de cacao sur ton pantalon. Ah, bah ouais, bah écoute, je laverai après. Hein. Bah oui, oui. Alors, ouvre ta bouche. Donc, je sais même plus au combien on en est, mais pour l'instant, il a tout deviné. Le cumin, très bon avec du minster pour les amateurs de fromage. Ouais, bah... Non, c'est super bon, avec du minster, c'est vraiment très très bon. Oui, enfin là, on n'est pas sur Air Cuisine, hein. Pas ça. Tiens. Ma bouche ne sent plus rien. Ah ouais? Oh. Ah, ça t'a anesthésié à ce point? J'aurais peut-être dû le faire en dernier, attends. Tabasco. Oh, oh. Bon, ça va. C'est un... Attends. Ça, c'est... C'est trop petit pour être un oignon. Bah, je t'ai donné qu'un morceau. C'est un bout d'échalote. Ouais, oh, t'es fort. Ah bah, j'ai regardé toutes les émissions de Maïté. Hein. Ah bah ouais, bah ça se voit. C'est à qui tu t'adresses. Hein. Effectivement, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, j'ai plus qu'un dernier truc, mais je suis un peu... Joël Robuchon aussi. Oui, bon, j'ai référence. Mais je suis un peu perplexe, mais t'as tout deviné, c'est pas très drôle. Bon, alors... Ouais, mais le tabasco, c'était abusé. Je reviens dessus, mais c'était vraiment abusé. Alors là, trempe ta langue. Sors ta langue. Est-ce que c'est hardcore? C'est pas très bon. Mais j'en mets dans plein de plats que tu aimes. Ah. Ah, plus loin. T'en as pas pris assez pour deviner. Non, là, t'as tout pris. C'est la noix de muscade. Pas du tout. Ah. Ça s'en rapproche, mais non. Ah. Paprika, genre, un truc comme non. ça? Ça se ressemble au niveau de la couleur, c'est très similaire. Attends, du paprika. C'était. Du... Bah, t'as perdu. Ouais, j'ai perdu. Au moins un. C'était du chili. Donc. Du chili? Ouais. Oh, ça... Du chili moulu. Bah, du chili. Du chili moulu? Ouais. Bah, j'en mets dans. Bah, j'aurais dans pas deviné. Ouais, ça, j'aurais pas trouvé. Ok, bah, il y a un dernier truc, je vais aller le chercher à ce moment-là. On vient à Zou. On va montrer Zouzou. Regardez, il y a Zouzou. Bonjour, ma Zou. Oui, Zouzou. Moi, je me remets du tabasco et toi, tu joues avec le chat. C'est... Elle est belle. Regardez comme ils sont beaux, ces nanoïs. Super. Regardez comme ils sont beaux, ces nanoïs. Ils ressortent tout bleus avec le soleil. Hein? Oh, elle est belle, ma Zou. Elle est belle. Je souffle le martyr avec le tabasco. Oui. Là, c'est quelque chose que tu aimes, en plus. Ah, génial. On finit par le meilleur. Oh, je sais. Oh, j'ai encore une autre idée. Ok, bah, tu me fais goûter quoi? Ouais, bah... Te connaissant, c'est forcément un truc un peu dégueu. Non du tout, c'est délicieux. C'est un truc que j'aime. Oui. Oui. Okay. C'est vraiment quelque chose de nord-américain, j'ai envie de dire, parce que je n'en ai jamais vu en France. Enfin, si, mais pas sous cette forme. Ah, ok. Ok, alors. Je vais te le donner en entier, t'inquiète pas. Mm. Bon, par contre, j'ai les mains qui sentent le vinaigre. Alors... Cornichon aigre doux. Ouais, et c'est ça. Ça se trouve en France, je pense. Je pense que ça se trouve en France, mais c'est très populaire en Amérique du Nord. C'est un peu sucré, il y en a plein de sortes différentes. Ouais, donc je vais chercher le reste. Alors, pour être totalement franche, en tenant le chat, je me suis dit, je vais lui faire goûter des croquettes. Mais oh, je ne l'ai pas fait. Pas ça, pas ça, pas ça. Je suis comme une très bonne personne. Ouais, mais je te connais. Tu es... Non, là, donc là, ce que j'ai pris, c'est... C'est d'humeur blagueuse aujourd'hui. Vraiment. Alors, donc là, j'ai pris ceci. Voilà, ça se suce. J'essaie de suivre. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ça se mange pas comme ça, mais ça se suce. Ouh, grand ta bouche. Attends. Je prends une respiration. En plus, c'est froid, ça va être bien après le tabasco.
Non, t'inquiète pas. Voilà. Non, c'est pas mauvais. C'est quoi? C'est pas mauvais. Non, moi j'adore ça. D'accord. Je les mange pas comme ça, je les cuisine, je les prépare. Ah, c'est congelé, ça c'est... Oui, c'est congelé, effectivement. Désolé, je parle la bouche pleine, mais en même temps, là, je suis un peu obligé, parce que comme c'est congelé, je vais mettre une heure avant que ça fonde. Non. Mm. Tu peux sentir le goût avant, je pense, que ça a quand même un goût assez caractéristique. Non. Je pense savoir ce que c'est, parce que c'est rond. Donc, je connais un truc rond. Oh, bah je sais ce que c'est. Ouais. Oh, si tu devines, j'en ai marre. Ouais, je repère pas du tout au goût, mais à la forme et à la texture. Ouais. Et au fait que ça soit congelé, parce que c'est... C'est un chute Bruxelles. Ouais. Oh, c'est pas juste. C'était horrible. Je conseille à personne le cul sec de Tabasco. Je vais faire une Tabasco nomination pour vous, si vous voulez. Donc, ouais, la Tabasco nomination, ça serait pas mal, ça, non? Ouais. Donc, sur ces bonnes paroles, pourquoi pas pirogue, je ne sais pas ce que j'avais en tête. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais y arriver. Donc, sur ces bonnes paroles, ce tag est fini. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je pense à l'avenir faire quelques vidéos favoris du mois en compagnie de Clément, justement, pour qu'il présente, lui, ses favoris masculins. T'as prévu ça comme ça, toi? Bah, menteur, je t'en avais parlé. Menteur, non, je ne suis pas méchante. Non, je t'en avais parlé, ouais, c'est pour vrai. Présenter tes produits cheveux et tout. Et même Simon avait appuyé. Donc, c'est son frère. Zéphir vous fait... Oh, bah, Zé fait une meilleure tête. Voilà. Oh, oui, elle est mignonne. Hein. Zéphir vous fait un gros bisou également. Ouais, et moi aussi, je vais essayer de récupérer du tabasco. Un bisou, voilà, un bisou plein de tabasco, ce qui est très très agréable. Exactement. Donc, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye.